Leçon numéro 16. La lettre P. P comme porte. P comme poisson. P comme parapluie. P comme papillon. Porte, poisson, parapluie, papillon. Passons aux exercices. Entendez-vous la lettre P dans les noms des images suivantes? Lampe, poupée, lavabo, chapeau, hippopotame, pipe, stylo, pédale. Corrigeons. Dans le mot lampe, j'entends la lettre P. Dans le mot poupée, j'entends la lettre P deux fois. Dans le mot lavabo, j'entends pas la lettre P. Dans le mot chapeau, j'entends la lettre P. Dans le mot hippopotame, j'entends deux fois la lettre P. Dans le mot pipe, j'entends deux fois la lettre P. Dans le mot stylo, j'entends pas la lettre P. Dans le mot pédale, j'entends la lettre P. Allez, qui a pu retenir le maximum des mots où on entend la lettre P? Porte, poisson, parapluie, papillon, lampe, poupée, chapeau, hippopotame, pipe, pédale. Partie écriture. La lettre P. P majuscule, script. P minuscule, script. P minuscule, cursive. Je vous montre comment on l'écrit. En majuscule, script. Minuscule, script. Et minuscule, cursive. Partie vocabulaire. Les couleurs de base. Troisième partie. Violet, gris, noir. Je recommence. Violet, gris, noir.